Du 6 au 17 mai 2024, le Gabon va abriter le Bangan Express, un exercice naval international multisectoriel sponsorisé par le commandement américain pour l'Afrique. À cette occasion, le chef de l'état-major de la Marine nationale était face à la presse. Parmi les femmes et hommes de médias, Cabral Guilhemami et Meda Rengeng. Le Gabon accueille pour la troisième fois le Bangam Express dans sa 13e édition, un exercice maritime multinational qui va réunir dans les prochains jours l'ensemble des pays du Golfe de Guinée, du Sénégal à l'Angola, les partenaires étatiques et non étatiques. 6 ans plus tard, notre cher parti, le Gabon, a été pour la troisième fois retenu comme pays hôte pour cette nouvelle édition. À cet effet, la Marine nationale, en collaboration avec les forces navales américaines en Afrique, accueillera la direction de l'exercice à Libreville. Cet événement à caractère international qui verra la participation de 24 pays aura comme particularité le déploiement des vecteurs aériens et navals, des équipes de visite et les centres opérations maritimes. Des scénarios de menaces maritimes allant du vol à main armée à la pêche illicite, en passant par la recherche et le sauvetage ainsi que la pollution maritime, vont être joués au large des côtes gabonaises par le déploiement des navires et aéronefs. Le Bangam Express a aussi comme objectif de faire rayonner la diplomatie gabonaise, d'évaluer la capacité du Gabon à organiser une manœuvre internationale. L'objectif général de l'exercice est de tester les forces navales dans un large éventail d'opérations maritimes au sein du Golfe de Guinée. Cet exercice permet à terme de faire de l'espace maritime du Golfe de Guinée une zone sûre et sécurisée.